Mais refilm, je sais pas si ça a coupé à quel moment. Bon bah j'espère qu'on aura la première partie. Oui, on a vu ta carte. Et tu as un petit dessin, regarde les loups. Oh, un dessin. Camille, elle m'a fait ça. Hop, alors attendez, hop là. Un dessin. Moi j'ai presque le même. Elle s'est très bien dessinée. Moi j'ai colorié en rose. Et le gâteau il est sur. C'est pareil. On continue? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le colis? Lola, pioche une chose. Toc. Qu'est-ce que tu veux piocher? Oui, les bonbons, on les a vus, je les ai montrés. De toute façon, on partagera après, mais si tu veux montrer quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Des moulages. Ouh là 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 là, il y en a plein. Attention. Des moulages. Attention, ça casse. Merci. Honnêtement, je vais pas... À partager pour créer, c'est marqué. Je vais vous montrer comme ça. Elles ont une grosse pochette de moulage. Il y a des licornes, des ailes d'ange. Des ailes d'ange, des plumes, des lunettes. Je vais pas tout vous sortir là tout de suite en fait. Les bracelets, c'est pour qui? Bah, c'est à partager. Lucie, Lilou, doucement s'il te plaît. Le bracelet multicolore avec le petit collier vert. Alors, tu peux les sortir les bracelets ou pas? Ça c'est... Alors voilà, moi c'est... Voilà, alors dans des petits pochons comme ça. Wow, comme ça. Regardez la collection d'élastiques qu'elle nous a envoyé. Ça c'est un... Il y a marqué quoi? Un collier ou un bracelet double tour. Encore plus belle. Pour être encore plus belle. Donc les trois petits bracelets sont comme ça, hop. Un collier. Deux colliers. Deux colliers. Et un autre collier. Oh là là. Deux colliers. Alors, un collier comme ça, avec des perles noires. Avant, on en avait un, mais en blanc, deux colliers comme ça, et j'adore. Ah bah, t'es contente alors. Des perles comme ça. Ensuite, un collier avec... Comme ceci. Et ensuite, là, comme ça. Alors, et ensuite, il reste trois petites choses au fond du... Oh, c'est mignon. C'est dans chacun, je... Remarque. Ah ouais, c'est sympa, c'est quoi? Des petits gris-gris, tu pourras mettre sur ton sac d'école peut-être. Avec une clochette, c'est trop rigolo. T'as un petit château, toi, Lola, on montre? Alors en fait, elle aura fait comme des petits porte-clés comme ça. Alors c'est le genre de choses que les filles, elles mettent sur leur sac d'école en fait. Au niveau des fermetures éclair, elles aiment bien. Donc il y a un petit château dans une... Ah mais c'est un sticker Spuffy qui fait de shaker en plus, t'as vu? Le château. Et avec plein de petits rubans comme ça. J'ai une petite... Et un pompon. Une petite clochette, là. J'ai une petite... Ouais, une clochette, ouais. Est-ce que tu te vois? T'as un petit chat? Oui, une petite chatte. Avec une petite couronne. Ah ouais. Et Lilou, t'as quoi? Tu nous montres? J'ai une étoile filante en forme de cœur. C'est mignon avec ta découpe derrière. Merci. Bon bah Camille, on te dit un grand merci, on te fait des gros bisous. Je vais couper, je vous reprends après pour la suite de l'ouverture de la boîte aux lettres. A tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve pour une ouverture de courrier. Alors c'est principalement pour Hermus. J'ai ouvert les enveloppes mais j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait dedans. Ah oui, voilà. Alors, la première enveloppe nous vient de Magiscrap. Ah oui, j'avais regardé la carte. Alors, dans une enveloppe craft comme ça, pour Pamela et les filles, hop. Voici, hop, voilà. Une jolie carte. Alors, attendez, si j'arrive à l'ouvrir, qu'est-ce que je fais? Donc, elle a mis du papier... comment? Un papier vert à l'arrière, comme ça, avec des... Des rayures. Ouais, des rayures. Ouais, bon, bref. Un die cut qui fait des fleurs ici, en haut et en bas. Un joli napperon qu'elle a ancré avec un love en stickers, mais qui est monté sur de la mousse 3D. Des stickers, un papillon et des cœurs, comme ça. Hop, si vous la voyez en entière, ça sera mieux. Donc, voilà. Donc, c'est des cartes. Différentes cartes pour l'association. Et quelques plus pour moi et les filles. Donc bah déjà un grand merci. Donc voilà. Donc je marque sur mon cahier en même temps, comme ça c'est fait. Hop. Donc alors, en fait, elle nous a fait des petits tags qu'elle a fait elle-même.
qui sont trop choupinous. J'adore. Alors, c'est dans des pochettes plastiques, sur un rhodoïde avec un papier comme ça derrière. Et je vous montre, on a le petit lapin. Ici, le petit lapin de face. Ici, des branchages. Et c'est des petits tags qu'elle a montés sur de la mousse 3D comme ça. C'est trop sympa. Et je pense même que c'est de la mousse, c'est du papier mousse en fait qu'elle a mis pour faire le 3D. Alors ici, nous avons un autre assortiment de petits tags. Alors, j'essaie de vous le hop, montrer sans le plastique, ce sera mieux. On a encore un petit lapinou ici, le petit écureuil. Ici encore le petit écureuil et la fleur. C'est trop sympa. Alors je vous montre comme ça. Hop. C'est trop trop chouette. Donc merci beaucoup. Pour l'association, on a une carte dans les tons noir et blanc. Alors j'adore, je trouve que bon bah voilà, noir et blanc, il n'y a rien à dire. Hein, ça fait super classe. Je vais vous la sortir comme ça. Donc voilà, ça représente une veste de costume avec un nœud papillon et c'est marqué bonne fête papa. Avec les demi-perles là pour faire les boutons, ben voilà, je trouve que c'est juste trop beau. Donc voilà. Et ensuite, à l'intérieur, elle a marqué j'aime papa avec un petit papier blanc pour faire le mot. Et elle a coupé les. Enfin, coupé, non. Comment on dit? Oh, je suis désolée, je suis fatiguée. Bon, elle a arrondi les coins, voilà. Et donc tout ça dans une petite pochette avec l'enveloppe. Hop. Ici on a une autre carte toujours dans les tons noir, blanc et craft. Pareil, ça fait super joli. Avec des chats, c'est marqué miaou, c'est trop chouette. Je vais essayer de vous. Je vais vous l'ouvrir. Hop. Lucie, tu vas dans ta chambre, s'il te plaît, je filme. Merci. Donc voilà. À l'arrière, elle a fait des pattes de chat comme ça sur le cardstock noir. Ici, elle a mis des découpes un peu comme des timbres avec des découpes carrées et des... Ça me fait penser à la carte que j'ai fait à Ludo, en fait, pour son anniversaire, en fait. Noir et blanc, comme ça, avec des découpes, ça rend super bien, quoi. Ici, c'est marqué miaou. On a trois petits cœurs, pareil, à la pâte à texture. Et donc, voilà. Alors, ensuite, je vous montre la prochaine. Donc, la prochaine, pareil, elle est noire et blanche. Sauf que là, elle a inversé les couleurs, en fait, du noir et du blanc. Ça fait super, alors je vais essayer de vous mettre les deux comme ça, ça fait super sympa aussi. Donc voilà, celle-ci est plus blanche, celle-ci est plus noire, j'aime beaucoup. Et ici on a une petite carte avec une grenouille, une découpe de grenouille avec un fond colorisé. C'est marqué il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, trop rigolote. Donc ben, merci beaucoup Chantal, je te fais des gros bisous et merci, merci pour l'association. Ensuite j'ai reçu un autre courrier. Alors... Là, je sais pas si je peux vous donner le nom. Je vais lire la carte et je vais vous dire après. Donc, j'ai une carte comme ça pour moi, avec un petit lapin, un petit cœur comme ça à carreaux qui est trop choupinou, sur du papier embossé avec une fleur en dentelle, des... Oh, purée, je vais perdre mes mots. Bon, on a des cœurs et on a des diamants. Ici, on a une rose à... Et le... Il s'est enlevé, en fait, il était plus haut. Le camé s'est enlevé. Alors attendez, je vais essayer de le remettre. Hop. Ah ouais. En fait, il s'est collé dans le sachet plastique. Ah, puis il colle bien. Alors là, celui qui aime pas le bruit, je suis désolée. Bouchez-vous les oreilles 5 minutes. Donc je pense que ça allait comme ça. Enfin je pense oui, ça devait aller comme ça parce qu'en fait il y avait le point de colle ici. Donc je recollerai avec le pistolet à colle chaude mais en fait ça s'était décollé, voilà. Alors voici un album, plus une carte et une pochette pour y mettre son portable. J'espère que cela conviendra pour l'association. Donc en fait je suis embêtée parce que je sais pas si je peux donner le nom ou pas. Donc voilà, ben merci beaucoup Julie R. Je vais pas vous donner le nom parce que voilà, je ne sais pas, voilà. Alors ça c'est pour nous, hop. Alors ensuite elle a fait une pochette, oh c'est trop rigolo. En feutrine, je vais vous montrer, je vais la sortir. Pour ranger un téléphone ou autre chose dedans, donc avec les petits pompons galons, là, le galon de pompons, un blind stickers. Ah c'est une pression. Donc je suis désolée, on a été coupé, donc voilà, c'est fermé par une pression. Voilà.
Quoi, pour y glisser, voilà, un téléphone ou quelque chose avec un petit paresseux comme ça. En noir avec une couture blanche, c'est très joli. Donc je vais le poser et Ludo va ranger si possible. Voilà. Et alors ici, emballé dans du papier comme ça, hop, ça doit être l'album. Alors on va essayer de... Hop. De pas tout abîmer, que je puisse le remettre dedans. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais. Hop. Oh, c'est trop chouette. Avec le renard, c'est trop mignon. Alors, je vais vous montrer comme ça. Hop. Voilà, avec le renard, un die cut fleur, un love, un petit lama et une plume. Ici, on a un charme comme ça avec un éléphant et un petit pompon bleu avec une perle. Je suis désolée, je n'arrive pas à filmer aujourd'hui. Alors. Ah, c'est un système de... Alors, à l'arrière, il est comme ceci, avec le lapin, le hibou, la plume, tout ça. Et je pense que c'est un système de... Comment dire, voilà. Avec des parties où il y a des cartes comme ceci. À l'intérieur, un soufflet. Voilà, je cherchais le mot que je vous montre correctement. Voilà, c'est un soufflet comme ça. Où dedans, on peut y mettre des photos. Donc, c'est juste super chouette. Ici, on a un papier à pois comme ça. Hop. Alors, ensuite, on a un papier avec des oiseaux. Comme ceci. Hop, les bords ont été tous ancrés des deux côtés. On a le même papier. Alors attendez, parce que moi je suis pas... Tu arrives ou pas? Sinon j'y referai après Ludo. T'as dit que j'y rentrais dedans, alors je mets dedans. Hein. T'as pas d'obligation. Je vais y passer celui-là, il est fleuri, il est joli aussi. En plus, ils sont glitter un peu les papiers. Et pareil, des deux côtés, hop, les bords ils sont tout ancrés. Je sais pas si vous voyez. C'est quoi en fait? C'est un album pour mettre des photos en fait. Un album accordéon, tu vois, ça fait comme un accordéon. Attendez, Ludo découvre en même temps. Ici, on a des motifs plutôt tropicaux, en fait, avec des feuilles, des fleurs, voilà. Pareil à l'arrière. C'est pour la sauce. Ici, pareil, toujours avec des motifs tropicaux et des triangles. Hop. Et hop. Et donc, ça en fait pas mal. Hein. Tu peux aller voir tes figures, s'il te plaît, pendant que je fais la vidéo. J'ai pas envie de couper encore, merci. Et ici on a un, ah celui-là j'aime beaucoup aussi, avec des fleurs et des feuillages comme ça, et des points noirs qui brillent. Donc il y a de quoi mettre ben, pas mal de photos quand même. Je sais pas combien il y a de cartonnettes, je les ai pas comptées, je vais vous dire, je vais regarder. Alors attendez, j'essaie de la ranger sans rien abîmer. Et donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il y a 7 tags ou 7 emplacements pour mettre des photos. Donc bah merci beaucoup. Alors ensuite j'ai un autre courrier où je sais que c'est pour Hermus parce que j'ai un petit hibou comme ça trop mignon où il est marqué Hermus. Et d'ailleurs le hibou je vais le récupérer. Et ça vient de Mamie Jo. Je crois que c'est... Alors je vais lire la carte, je vais vous dire exactement. Je sais que c'est Mamie Jo, oh zut. Ah oui, c'est voilà, Mamie Jo de Pollon. Donc alors, elle m'a fait une carte qui est juste trop, trop belle. J'adore le papier ici, qui est, je sais pas ce que c'est comme papier, si c'est un carton ou quelque chose comme ça. On dirait du bois, en fait. Enfin, ça fait un effet comme un arbre qui brille pailleté comme ça, avec une découpe oiseau. Un apron carré blanc, des demi-perles. Et c'est marqué, le plus grand bonheur est celui qu'on partage, avec deux rubans en satin. Elle est juste, la carte, elle est magnifique, franchement, voilà, j'adore. C'est très simple, très épuré, mais j'adore. Et ici, un petit oiseau. Donc, je vais prendre 2 minutes, je vais juste relire mon mot rapidement. Je fais parvenir ces cartes pour ton association, voilà. Eh ben, bon travaux, hein, parce qu'elle me dit qu'elle est en plein travaux, donc voilà, évidemment, ça occupe beaucoup.
Ben nous, tout va bien, hein, voilà. Ce week-end, on n'a pas les enfants, ils ont, enfin, on n'a pas Uriel et Gabriel qui ont été passer un week-end chez leur maman. Voilà, du coup, on en profite pour vaquer à nos occupations quand même assez habituelles, donc voilà. Et sinon, ben, ça se passe bien dans l'ensemble, voilà. On va pas, je vais pas vous en dire beaucoup plus, voilà, enfin, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas grand-chose à rajouter, de toute façon, voilà. Donc, elle m'a mis dans une jolie... un joli papier cadeau comme ça, Association Hermus. Alors le papier cadeau, j'aimerais bien le récupérer. Du coup, je vais essayer de ne pas tout arracher. Mais je pense que... Ouais. Alors là, le papier cadeau, je sais déjà ce que je vais en faire en fait. Je suis en train de faire le Project Life. Et je pense que je vais faire un patchwork de papier avec. Pour faire des cartes pour le Project Life, justement. Et donc on a des cartes qui sont emballées dans du papier de protection comme ceci. Alors je suis désolée pour le bruit, hein. Il y a les filles qui font le bazar là-bas. Il y a Ludo avec eux, mais bon. Enfin avec elle, mais... C'est un peu le bazar. Elle joue à la console, donc... Elle est trop belle cette carte aussi. Alors on a une jolie carte comme ça, avec un papier lavande à l'arrière. Ici un papier dans les tons mauves. Ensuite on a une belle découpe. Enfin deux grandes découpes comme ça qui sont super belles avec une jolie fleur et c'est marqué la vie est belle. J'adore. Et donc on a l'enveloppe, je crois que... Non, c'est la carte. Non, c'est l'enveloppe. Non, c'est la carte. Ah. Ah ouais. Du coup, elle a remis une petite feuille pour marquer son mot. Et à l'arrière de la carte, elle a mis deux petits cœurs comme ça. Une découpe, c'est trop chouette. Alors, je suis désolée si j'ouvre pas toujours toutes les cartes. Mais comme c'est pour l'association, en fait, je leur rends tout dans les plastiques. Bah, pour les conserver, que ça s'abîme pas ou voilà. Et du coup... On a une autre carte qui est très belle aussi. Dans les tons marron et vert. C'est super sympa. Ah mais c'est un... D'accord. Donc là on a un dice cut mais en 3D. Comme ça sur de la mousse 3D. Je sais pas si vous allez le voir. Un nœud. C'est marqué merci pour... Merci tout simplement. Donc on a une cartonnette verte. Et c'est sur un papier effet bois comme ça. Avec les branchages et la petite maisonnette à oiseaux. C'est juste trop chouette. Et à l'arrière pareil. Elle a remis un petit branchage comme ça. Pour faire la finition de la carte. C'est super beau. Hop, pour la sauce. Et alors... Donc évidemment, je vous dis merci à toutes. J'ai pas eu le temps de vous remercier par message ou par mail ou voilà. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc je suis désolée. Mais voilà, enfin, j'essaye de faire au mieux. J'ai reçu tous les courriers que je vous présente aujourd'hui. On les a tous reçus. Hier, nous étions samedi et aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc... C'est 20h du soir et on vous présente seulement les courriers. Je suis désolée, j'ai honte. Du coup, alors là, on a une belle carte. C'est marqué « La vie est belle » avec un fond gris comme en nacré, comme ça. Et avec des fleurs sur une découpe de fleurs et de feuillage. Elle a remis des fleurs comme ça en papier et des demi-perles. C'est pareil, c'est super fou. Ah, ça donne des idées, hein, de voir toutes les cartes défilées. Ah, à l'arrière, j'ai pas regardé sur le papier. Ah, la mini plume qu'elle a. Ah, mais c'est embossé. Ou tamponné. Ah, la mini plume qu'elle a tamponné en fait à l'arrière cette fois-ci. Mais elles sont belles, c'est clair. Alors, celle-ci, c'est marqué une très belle histoire. On a deux cœurs et dans un checker en plus, voilà. Sur un papier pareil qui est. Bah, à l'arrière, vous allez mieux le voir, le papier, voilà. Il est irisé et il a des effets. Donc voilà, avec un papier rouge, c'est marqué une très belle histoire. Avec deux rubans de satin, ici du satin pour faire une petite accroche à la découpe cœur, checker, c'est trop beau quoi. Et à l'arrière, elle a remis des petits cœurs. Et ensuite, on a une carte où il est marqué félicitations, avec une belle découpe de fleurs, pareil. À l'arrière, elle a mis un papier fleuri. On a une découpe de fleurs, des rubans d'organza avec... comment ça s'appelle? Oh, je vais perdre mes mots. Bon, avec une fleur comme ça. C'est un... Non, c'est pas un œillet. Bon, bah, vous trouverez le mot, hein, je suis désolée. Et là, on a les demi-perles sur les quatre coins, comme ça. C'est juste trop chouette. C'est marqué félicitations. Et à l'arrière, on a un papier comme ça, à pois. Donc, bah, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes pour l'association. Et merci...
beaucoup à Camille. Un grand merci pour les filles. Je te fais des gros bisous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.